Sixième mois, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, Dieu envoya l'ange Gabriel chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David et le nom de la jeune fille était Marie. Lui apparut chez elle. Il lui dit : Réjouis-toi, Marie. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Ne crains pas, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de lui. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël, et son règne n'aura pas de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut
te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son grand âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, selon ta parole. Marie, Notre-Dame des Motards, nous nous remettons à ta prière maternelle. Nous te remercions pour ta protection tout au long de cette année. Et nous te demandons encore ta protection, Vierge Marie, sur toutes nos routes. Vierge Marie, nous te confions aussi tous ceux et celles que nous connaissons et qui sont décédés cette année ou avant sur les routes. Merci Vierge Marie, par ta prière, de les accueillir dans le ciel, dans le royaume. Merci de pouvoir être ici, Vierge Marie, et merci de nous garder dans ta maternelle intercession. Marie, Notre-Dame des Motards, priez pour nous.